Alright, alors continuons. Putain, j'ai cru que c'était une sorte de rat qui était mort. Jeez. Alors, je crois que j'avais déjà été voir là-dedans. On peut pas les ouvrir. Là, il y a un petit passage, mais du coup, je me souviens pas vraiment vers où. La route principale, c'est là. On va quand même y aller, pourquoi pas. Ils ont 1 million de cours de tennis ou je reviens sur mes pas? Je crois pas être passé par là. Ok, clairement j'étais pas là. Ok, c'est pas une cour de tennis, autant pour moi. C'est énorme, non? C'est clair. T'as déjà vu un truc pareil? Ils doivent tous être comme des fous à l'observatoire. Ils sont sûrement tous en train de faire la fête. C'est magnifique, tu l'as dit. Bon, faut que j'y aille. Pas le choix. Le gosse dort pas de la nuit. C'est à cause de ses dents. Liliana va me tuer si je rentre tard. Allez, bonne nuit. Allez! Intéressant, qu'est-ce qu'il y a là? Chen, pas trop comment on prononce, à part d'être super âgé. Ouais, super. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un petit passage. Ok, l'un des nombreux raccourcis, j'imagine. Du coup, je vais me faire bloquer. Alors, il parlait d'un truc magnifique. Vu comme il parlait, a priori, c'était la nuit, il devait parler du ciel. Après, il n'y a rien de particulier. C'est vrai que le ciel est beau, là, quand c'est la nuit. Après, je ne suis pas non plus astronome. J'ai pas remarqué qu'il y avait des choses mal placées ou ce genre de truc. Là, le Cape parlait de... D'une zone dans le ciel à chaque fois, mais du coup j'ai pas retenu le nom et du coup je n'en connais pas la signification. Ok, bon, petite remise. Là pareil, encore un chemin. Ah oui, une salle de bain, ouais. Mais c'est pas du tout pratique comme endroit. Attendez, je vais m'approcher de ça. C'est juste une serviette. Ok, je vais aller du coup par là. Je viens d'ici. L'une des radios. J'ai essayé de quitter l'observatoire, mais je n'ai pas pu. Une fois devant le portail, je n'ai pas pu concevoir un monde à l'extérieur. C'était très bizarre. Comme si... La vallée, Stephen et tout le reste avaient perdu toute tangibilité et étaient devenus des concepts, et non plus quelque chose de concret. Je perds la notion du temps. Je ne sais jamais si je suis éveillée ou endormie. Mes doigts sont engourdis à leur extrémité. Mon sens du toucher est encore là, mais
J'ai l'impression qu'il ne s'adresse plus à moi. Un peu comme si on avait détourné le signal. Alright. Celle-là, on ne peut pas l'ouvrir. Est-ce que je vais me faire bloquer par les fougères? Non, ça. Ah, il y a une carte, on va y aller. J'ai vu qu'il y avait un... Vous êtes sur la messagerie de Kate Collins et Stephen Appleton. Laissez un message. Stephen, c'est moi. Je m'en vais. J'ai attendu autant que j'ai pu. Si tu es déjà là-bas à m'attendre, je pars pour la gare maintenant. Je continuerai mon chemin, avec ou sans toi. Mais je t'aime. Je t'en prie, rejoins-moi. Je t'aime. Elle appelle sur le répondeur commun. On est où? On est là, comme c'est marqué. Donc là, en fait, il y a le chemin vers les quatre caravanes. On a été tout à l'heure, on était... Ok. Au terrain de foot, au vestiaire. Et du coup, là, en fait, on est à l'un des hubs centrales. Alors, on va continuer tout droit vers le numéro 9. Oups. Donc là, si je tourne à droite, je reviens à l'entrée du camping. Ouais. Parking, reception, pool. Je pense pas que je sois rentré là-dedans. C'est là d'être une cuisine. Ah non, le lavomatique. Pour être honnête, on se parle même plus à l'heure actuelle. Je dors dans un des chalets inoccupés. Sinon, on reste à se regarder en chien de faïence jusqu'à ce qu'il sorte pour aller picoler en cachette alors qu'il l'admettra jamais. Et moi, je fais semblant de pas le voir. Et quand on va se coucher, je me retiens pour pas me mettre à hurler. Je sais pas pourquoi on est encore ensemble. Enfin, si, je sais. Je l'aime toujours. Tu me rappelles Marie quand elle avait ton âge. Si j'avais une fille, j'aurais été très fier qu'elle devienne une femme comme toi. T'es pas obligé de dire ça. Il faut que tu parles à Robert. Dis-lui que tu sais qu'il s'est remis à boire. Vous pouvez trouver une solution ensemble, j'en suis sûr. J'aimerais en être sûre, moi aussi. J'ai pas envie d'être celle qui est restée parce qu'elle avait pas le courage de partir. Je sais merci bien de qu'il ne pas laisser vivre dans le passé. Monter dans les je machines. Le sais. Mais parfois, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et si je n'avais pas eu mon accident, je pourrais être n'importe où à l'heure qu'il est. Plutôt que de passer mon temps à répéter ce foutu Peter Pan et à réparer des sèches-linges pour la énième fois. Oh. Oh, Franck, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ne sois pas idiote. Tu es encore jeune, Lizzie. Et t'as largement le temps de devenir celle que tu veux être. Mais arrête d'utiliser ta jambe, ou ton mari d'ailleurs, comme excuse. Oh tiens. Là, il y a l'un des graffitis. Ah, mais par contre, c'est que la deuxième fois que je le remarque dans tout le jeu. La première fois, il était sur l'arrêt de bus à l'entrée de Yotun. Du coup, je pense qu'on a dû en rater dans chacune des parties du jeu. Alors, on était là, oui. Je vais aller à ce bâtiment parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir de toute façon. A pas l'air d'être ouvert. Ceci est un message d'intérêt public de la part du comité général des mesures d'urgence du district d'Averton. Les routes et les voies ferrées sont actuellement en cours de maintenance pour contenir l'épidémie de grippe. Restez calme et ne sortez pas. Les dirigeants locaux, directeur d'école, chef scout et membres du clergé seront vos représentants durant cette période. Veuillez les informer de toute apparition de symptômes. Et maintenant...
Ok. Le sol doit être bien détrempé, dis donc. Alors, on doit bien avoir une radio dans tout ça. Il y a un point de sauvegarde là. Voilà, il atelier peinture. Ah, c'est pas mal, hein. Les autres n'ont pas foutu grand chose. Zut, il est là. Attends pour moi. Vous ne devriez pas fumer, vous savez, vu votre état. C'est la faute de Stephen, ça. Il m'a fait reprendre. Je n'ai pas l'intention de vous empêcher de partir, mais la météo s'annonce très mauvaise. Il parle d'une tempête. C'est ce que Stephen a dit. Il a dit qu'il me retrouvait là-bas, mais il a des choses à régler d'abord. J'ai l'impression qu'il croit que tout ça a un lien avec lui. J'en sais rien. Qu'il vienne ou non, moi je pars en tout cas. Stephen a un plan pour sortir de la zone de quarantaine. C'est un homme intelligent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lui, faites-vous confiance. Eh bien, je l'aime. J'espère que c'est suffisant. J'espère aussi. Écoutez... Si vous n'arrivez pas à passer pour une raison ou une autre, je réunis tout le monde à la salle des fêtes. Il y a toujours des retardataires. Oui, tous les campeurs y sont déjà. Ils font un spectacle. Peter Pan. Les gamins sont contents, ça leur permet de penser à autre chose. Hé, vous avez vu ça? C'est pour ça qu'elle parlait de Peter Pan. J'ai pas compris avant. Alright. Il y a l'air d'y avoir plus de soleil qu'avant. Du coup, pas grand chose à voir ici a priori. Prochaine étape, la piscine, puis le bord du lac. Je vais m'aventurer un peu par là quand même. Là, techniquement, je vais au sud, mais d'après le plan, j'ai l'impression d'aller un peu au nord. Quoique, bah non, puisque le lac est là. À voir. Ah oui, j'étais confus parce que les plans du camping sont pas orientés au nord en fait. Ça n'est pas du tout orienté au nord. Là, j'ai rien raté. Très grande ces caravanes, hein. Tire une tente quechua à 3 places, ou même pas quechua d'ailleurs. Il peut y avoir plus de places. Diana, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bonne mine. Sean, est-ce que le bébé va bien? Tout va bien. Diana, on y va. Ok, je vais te faire une tasse de thé. Madame Graves, il faut que je vous dise. Arrête, Diana! Vous avez essayé de quitter la vallée? Toutes les routes sont fermées maintenant. Je sais que je conduisais trop vite, mais la voiture d'en face était du mauvais côté de la route. Oh mon Dieu, je crois qu'il est... Diana, mais c'est pas vrai, ça suffit! Tout va bien. Hé, hey, tu vas bien? Sean aussi? Le petit Dylan aussi? C'est tout ce qui compte. Tout le monde va bien. Hey. Ça suffit. J'ai besoin de ton aide. Certains enfants commencent à avoir peur, alors Rachel et moi avons décidé de faire un spectacle, histoire de les occuper.
L'autre soir, tu m'as dit que tu savais jouer du piano. Tu pourrais faire ça? Oui, je pense que oui, mais... Monsieur Graves, Robert... Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un grand garçon. Calme-toi. Maintenant, tu vas à la salle des fêtes et Rachel te dira quel morceau répéter. D'accord, merci madame Graves. Et Sean, va trouver ici, s'il te plaît, voici la besoin d'aide. Oui, pas de problème. Allez. J'étais déjà là. Robert. Du coup, alors est-ce que c'était Robert qui était dans la dépanneuse là, du coup, qui est mort? Alors, oh, un plan. Ça alors. On voit un peu le moulin dans le fond là. Oui, on est là. Ah oui, on a encore eu un bon bout de chemin à faire. Eh bien, allons-y. C'est bien parce que le camping a l'air quand même un peu vide hein, par rapport à toutes les zones où on a été on a visité pour l'instant. Enfin, il a l'air ouais, peu travaillé, il manque un peu de détails. C'est tout ce qu'elle a à dire? Oh mon Dieu, Stephen. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ah oui. C'est bon, il y a un tracteur dans l'eau. Non, ça doit être des... Ça doit être des pédalos en fait, bah oui. Ah, on peut aller là. Est-ce que nous on peut aller dans l'eau? Intéressant. Est-ce qu'on peut mourir dans l'eau? Je vais explorer un peu par là. Ouais, là je pense que je peux pas. Voilà. L'attaque de la branche invisible. Bon là il y a encore un coin de barbecue. Du coup on était là, on va là. Il est fermé aussi. Je vais tout de suite aller en face. Ceci est un message d'intérêt public de la part du comité général des mesures d'urgence du district d'Averton. Les routes et les voies ferrées sont actuellement en cours de maintenance pour contenir l'épidémie de grippe. Restez calme et ne sortez pas. Tout est fermé là. Les dirigeants locaux, directeur d'école, chef scout et membre du clergé seront vos représentants durant cette période. Veuillez c'est moi le membre du congé. Avant il a dit clergé. Et maintenant
Les 5 tours fonctionnent maintenant de pair, et je réceptionne jusqu'en zone rouge, mais ça ne suffit pas. Je vais tenter de diriger le signal vers la tour 6 pour créer un point de réception unique et recoordonner l'installation optique qui devrait, théoriquement, provoquer un pic de signal au point d'origine. Si je conceptualise ce point d'origine comme une tour 7, ça devrait marcher. Alright, c'est une idée. Je crois qu'on est arrivé bien au-delà de tout ce que je connais en physique. Enfin bref, ça vaut le coup d'essayer. Alors, c'est là où on a le dernier point de sauvegarde de cette zone-là, a priori. Ou pas. Ça, on s'en fout. Elle est pas dans son bureau non plus. Ils vivent pas loin d'ici, non? Bah ouais, au village. Mais tu crois pas qu'elle est partie chercher Monsieur Graves? Lizzie sait très bien que Robert y apparaîtra quand il aura des cuvées, ça va aller. Tu veux que j'aille voir si je la trouve? Non, c'est bon. Allez, viens, j'ai promis aux enfants que j'allais refaire le dernier numéro, et après on prendra tous une bonne tasse de thé. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais, à Lizzie. Moi? Pas du tout. À la première occasion, je me tire d'ici. That's creepy. Ok, on n'a toujours pas croisé la piscine. Right. Transformateur, on va passer par là. Putain, la hitbox de fou de ces trucs. Et ils sont pas fait chier, ils ont fait un gros carré. Bien sûr, mettons un plan ici, pourquoi pas. Ah, plan de la région. Ok, donc on est là. Oui. Ah putain, attendez. Faut que je revienne dans le jeu. Hop, voilà. Alors, attendez, c'est quoi le truc blanc au milieu? Black Cog Run Valley. Black Dog. Que autant pour moi. Ok, donc le prochain stop, c'est en fait, c'est tout au nord à Little Wolf. Arrête, Rhys, elle ferait jamais ça. Enfin, je crois. Et Dylan, alors? On peut pas dire qu'elle était super enthousiaste de s'en occuper. Elle a préféré te laisser faire. Elle reviendra pas. Alors laisse-la partir. Elle fait toujours passer les autres avant elle. Je suis sûre qu'elle avait quelque chose d'important à faire. C'est à toi de gérer maintenant. J'imagine que ça veut dire qu'on part plus. Espagne attendra. Écoute, toi t'y retournes et tu donnes la meilleure représentation de Peter Pan de toute l'histoire. Et moi je me charge de retrouver tes parents. Promets-moi que tu vas revenir. Pourquoi les gens font des promesses dans de telles situations? Mystère.
Hop là. Et voilà, je suis revenu. Alors, on a quasiment terminé le... Ah voilà, là il y a le dernier point, le point d'histoire. Voyons ça. Allez, Catherine. Appelez-moi Kate. Elizabeth. Lizzie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est une bonne chose, vous et lui. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi ça serait ? Vous venez de dire que ce n'était pas compliqué, je ne vois pas pourquoi ça le serait. Vous et Stephen étiez ensemble il y a longtemps et il est parti. Pour moi, c'est très simple. Je suis désolée, je ne voulais pas vous froisser. Oh. Je ne suis pas froissée. Écoutez, Elizabeth, je... Lizzie, s'il vous plaît. Lizzie. Pardon. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien, et je ne voudrais pas manquer de tact, mais... Essayons d'être réalistes, ok? Faisons de notre mieux. Ça me paraît sensé, non? Oui, je suppose que oui. Faisons de notre mieux. C'est bien, il ne veut pas dire grand-chose ce dialogue, mais soit...